And here we have it, recording in progress. Welcome to the annual meeting of the Knowledge Network on Climate Assemblies. We have a full day of event for you. The first session is a keynote, and we're very much looking forward to it. To guide you through that, I'll introduce my colleague Frederick in a moment. But first, I should tell you that we were expecting the intellectual chair of KNAKA to host this, Graham Smith. And some of you might be wondering why he's not here. He sends his apologies. He is sick with COVID. Of course, there's not much we can do about that. He's very sorry that he can't be here. Now I'll stop my screen sharing and I will hand over the word to my colleague, Frederick, who will introduce our keynote of today. I look very much forward to spending this day with you, and you'll see me again a couple of times throughout the day. I'll be here to introduce each of the sessions. So I look forward to spending the day with you, and welcome to the annual event of KNAKA. Thank you very much, Mark. So my name is Frederick, and as Mark told you, I'm a colleague of his from the DBT, and I've been part of KNAKA and the KNAKA Management Committee ever since it started, so for 1 year now. And just before we dive into the different keynotes, I just want to give you a small recap of what we've experienced or achieved in KNAKA throughout the past year. So it's really great that we've been able to gather a lot of people in this network, more than 500 members so far. And that also means that we've been able to learn a lot from each other. So in the KNAKA network, we've hosted around 15 learning calls and workshops so far, but we've also had the chance to connect to each other informally. And this has also helped us improving some of the processes that we've seen lately. And KNAKA has had some direct contact with these also. And we've seen a lot of these climate assemblies throughout the past year, with the Spanish Assembly just having presented their recommendations, and Austria and Luxembourg in progress. And relatedly, we've also started articulating some clear contours of best practice, especially through these knowledge development projects that we're proud to present today. We've already dealt with the findings from one of the knowledge development projects in May, which dealt with the policymakers' attitudes toward climate assemblies. And today we're going to focus on how to set a remit, how public officials can prepare climate assemblies, and what the drivers are of impact. So that's going to be really interesting. And from here, I'm just going to want to say that in KNAKA, we're not just focusing on documenting practices and developing good practice, but we also want to shape meaningful change to ensure robust climate governance through deliberative engagement. And that's also why we're going to host several workshops throughout the coming year, aiming not only to provide guidance, but also to shape future trends. So for example, we want to discuss how to incorporate backcasting and scenario thinking in climate assemblies. And we also want to discuss what institutionalized assemblies might look like. So there's a lot to look forward to. But now I think we should focus on this session and our keynotes. And as you might have seen in the program, we were supposed to be joined by Laurence Tubiana, who is the CEO of the European Climate Foundation, who co-founded KNAKA. And she's also a chair of the KNAKA Advisory Council and acted as a co-chair of the French Citizens Convention on Climate. But unfortunately, she had a very important meeting this morning, so she couldn't join us. But instead, we're so lucky that she managed to pull together a short video to just say hi to us. So I'm just going to share my screen, and we're going to listen to Laurence and see what she has to say. I'm recording this message because, unfortunately, I cannot be with you this morning. I would like to express my appreciation and share some thoughts with you. Very happy to celebrate KNAKA 1 year anniversary. Delighted to see that KNAKA has achieved so far in such a short space of time.
I would like to share with you three key messages. One, there is an urgency for climate assemblies. I believe climate assemblies are an important feature for our politics going forward, so we need to be doing them right. There is a lot more that can be done to ensure greater impact of climate assemblies on politics and policy making. Climate action is happening, but so slow, and global warming is happening much faster than expected. In addition, there is an urgent pressure now with a political context related to the war in Ukraine and the necessity to reduce our need for fossil fuel and deeply transform our energy system even faster. But with the added backdrop of the cost of living crisis and soaring inflation, a deep economy-wide transformation is necessary. And millions of European citizens are expecting these transformative solutions. But for this to work, the policies need to be fair and need to take citizens into account if there is to be broad support. Otherwise, there is a real risk of social backlash, and we may even witness it already. The vision and policies need to be co-designed with citizens to give backing to the political mandate. It's clear that climate assemblies do and can play a key role now and going forward. They are demonstrating that society is ahead most of the time of the policymakers. However, assemblies still face many political obstacles. For example, they need a clear mandate for the assembly purpose and how it will inform the political process. It's important to say that they serve as a complement to help strengthen other political instruments and processes and not as a fix-all solution. They are a useful tool for two major phenomena dominating the political context today. They help strengthen democracy, and at the same time, they can help enhance climate action. And for the challenge ahead, these two strands, strengthening democracy, accelerating climate action, need to become a virtuous circle. I believe this will be central to our social contract. Have a very good work session and happy to really have a first year anniversary of NOCA. Thank you very much to Laurence. And as Laurence said, it's important that we co-create or engage people in climate policies. And therefore, we're very lucky that we have with us Magali Plouvy, who is the president of the French-speaking Parliament of Brussels and group leader of the Forest Municipal County Council. And in 2019, she introduced a regulatory proposal aimed at including deliberative commissions in the rules of procedure of the parliaments of the Brussels region, which was passed. So she is indeed one who tries to implement this co-creation with citizens when it comes to policymaking. So welcome, Magali. And before you start your talk, I just want to repeat that everybody is capable of pressing the interpretation button in the bottom of your screen, because Magali is going to have her talk in French. So there you can select English and you will get the speech translated into English. So welcome, Magali, and thank you for being here. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Ça fonctionne? Yep. Super. Voilà. Je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je pense que c'est important qu'on puisse se rencontrer, échanger autour de ces questions qui sont fondamentales, je pense, dans notre société. Alors, je vais me présenter d'abord pour un petit peu comprendre ce qu'on essaye de mettre en place ici à Bruxelles. Je m'appelle donc Magali Plouvy, je suis présidente depuis 2019, présidente du Parlement francophone bruxellois. Il faut savoir qu'à Bruxelles et en Belgique, il y a une grande complexité institutionnelle qui fait qu'on a plusieurs parlements au niveau de Bruxelles. Et c'est vrai que j'ai déposé un projet de réglementation, que ce soit dans celui pour lequel je suis présidente, mais aussi dans celui de la région bruxelloise, pour avoir un processus participatif. Alors, c'est quoi ce processus participatif? On l'a appelé les commissions délibératives.
Ce sont des commissions qui réunissent des députés et des citoyens tirés au sort. C'est un quart de députés, trois quarts de citoyens et citoyennes tirés au sort. Et ils vont travailler pendant plusieurs jours ensemble pour émettre des recommandations sur une thématique qui a été choisie. Cette thématique, elle peut être choisie de deux manières, soit par les citoyens eux-mêmes, quand il y a 1 000 personnes qui demandent qu'il y ait une commission délibérative sur une thématique. Nous avons eu des suggestions des citoyens sur notamment le sans-abrisme, donc la lutte contre le sans-abrisme et trouver des solutions à partir notamment des logements vides. Donc ça, c'est ce qu'on a eu pour avoir une commission délibérative. Elle peut venir aussi des politiciens, donc des députés, qui décident que, il y a une thématique importante qui doit être mise en débat avec les citoyens. Donc, comment ça se passe? On a, à partir de ce moment où on a une thématique qui a été décidée au Parlement pour lancer les commissions délibératives, on a deux tirages au sort. On a un premier tirage au sort de 10 000 personnes sur la liste des résidents bruxellois de plus de 16 ans. Donc, il n'y a pas de condition de nationalité. À partir du moment où on est résident et qu'on est sur cette liste, on peut être tiré au sort à partir de 16 ans. Donc, 10 000 personnes peuvent recevoir ce courrier, un courrier qui est envoyé en français et en néerlandais, mais qui est accessible dans d'autres langues les plus utilisées à Bruxelles, à partir du site Internet. Donc, nous avons en anglais, en espagnol, en arabe, je crois en italien, en Allemagne, enfin, en allemand, pardon, donc différentes langues qui sont très fréquemment utilisées à Bruxelles, qui donc peuvent permettre à tout le monde de pouvoir participer, même si le français ou le néerlandais est moins bien compris. Les personnes doivent s'inscrire alors pour un deuxième tirage au sort. Ce tirage au sort est fait à partir d'un certain nombre de critères pour avoir une représentativité de la population. Donc, c'est des critères de genre, des critères socio-économiques, des critères géographiques et d'autres critères qui pourraient éventuellement être ajoutés. Trois étapes à ces commissions délibératives. Une première qui est vraiment une étape d'information qui est donnée à tout le monde, donc autant aux citoyens tirés au sort qu'aux parlementaires, avec des questions-réponses, vraiment pour mieux appréhender la thématique. Et puis, on a une deuxième étape qui est la délibération, donc par petits groupes, mais aussi en plénière, où il y a vraiment la construction, la co-construction de ces recommandations. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas les députés savent ou les citoyens savent, c'est vraiment quelque chose qui est une co-construction. Et puis, alors, le vote des recommandations. Et enfin, le suivi. Pour nous, c'était vraiment un élément fondamental qu'il y ait un suivi. Si les citoyens et citoyennes viennent s'investir du temps avec les députés, ce n'est pas pour qu'à la fin, on se dise, ben voilà, il y a des recommandations et puis ça s'arrête là. Il faut que ça ne soit pas un gadget politique et qu'on ait bien un suivi des recommandations. Et donc, différentes possibilités. Au bout de 6 mois, donc il y a un suivi qui se fait pendant 6 mois, 9 mois, soit par le gouvernement, soit par le Parlement. Recommandation par recommandation, on examine comment on peut avancer. Et si on ne peut pas donner un suivi, il faut une motivation qui soit donnée aux citoyens, qui sont réinvités alors, ceux qui ont participé au bout de ces 6 mois ou 9 mois, et on leur explique un petit peu les différents suivis qui ont été donnés aux recommandations. Donc ça, c'est le processus. Alors en quoi je pense que on peut avoir cet outil peut-être intéressant par rapport à votre question de la transition climatique, transition environnementale, parce que je suis persuadée que la transition environnementale, elle doit être juste et elle doit être démocratique. Et les deux sont liés et se nourrissent l'un l'autre. La justice sociale est vraiment fondamentale parce que pour pouvoir avoir une justice, pour avoir une transition, pardon, environnementale qui soit la plus juste, la plus proche de la population et soutenue par la population, il faut évidemment qu'elle prenne l'ensemble de la population en compte des réalités, des difficultés. Donc personne ne doit rester au bord du chemin. Et donc,
En ça, il faut pouvoir associer un maximum l'ensemble de la population. Mais démocratique aussi parce que il faut aujourd'hui, on voit que la défiance de la population, que ce soit par la montée de l'extrémisme et de l'extrême droite, que ce soit par les désaffiliations qu'on voit, les abstentions, vont nous amener à avoir à un moment donné au niveau des décideurs politiques des gens qui ne vont pas être en faveur de la transition écologique et environnementale et qui ne vont pas permettre ces évolutions que l'on souhaite. Et donc, je suis convaincue qu'il faut pour pouvoir mener cette transition écologique, il faut que l'on puisse travailler avec la population. Et je crois que le fait d'associer les citoyens et citoyennes à ces processus de prise de décision va accroître ou permettre d'avoir des décisions qui soient plus justes, de meilleure qualité, et du coup va peut-être recréer cette confiance et recréer ce lien avec la population qui aujourd'hui a peut-être une plus grande défiance, enfin pas peut-être, mais clairement une plus grande défiance par rapport à l'État. Et donc pour cela, je pense qu'il y a trois axes importants. Un axe d'institutionnalisation de la délibération. Il faut vraiment systématiser ces processus délibératifs, des processus de dialogue entre les citoyens et les députés, entre les décideurs politiques à tous les niveaux de pouvoir, mais ça j'y reviendrai, et de créer cette culture de la participation où ça devient presque une normal, un mode de fonctionnement que pour les décisions, on travaille ensemble avec la population. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses qui, je pense, aujourd'hui nous manquent. Par exemple, à Bruxelles, on travaille principalement les week-ends pour faire ces commissions délibératives. Et il nous semble que pour pouvoir faire un pas supplémentaire dans cette culture de la participation, il nous faudrait des congés de citoyenneté qui nous permettraient de travailler aussi pendant la semaine. Autre élément fondamental, c'est l'inclusion. Donc ça, c'est vraiment permettre à tout le monde de pouvoir prendre part à nos travaux. On a travaillé, donc on a mis en place des garderies jusqu'à 12 ans gratuits pour que la population puisse participer. On a mis en place un processus de mise en confiance et d'information aussi pour que les personnes les plus éloignées de la participation puissent participer et se sentir à l'aise dans les processus participatifs. On a aussi prévu qu'en fonction du type de handicap, si quelqu'un voulait participer et avait un handicap, on pouvait s'adapter à son handicap pour qu'il puisse participer. Par rapport aux langues aussi, de pouvoir vraiment associer un body language pour les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer dans la langue ou à comprendre la langue, et donc d'avoir vraiment une personne qui puisse accompagner le participant. Je voudrais... J'ai travaillé, avant d'être au Parlement, j'ai travaillé au service de lutte contre la pauvreté. C'est un service, on va dire étatique, mais indépendant, qui associe des personnes qui vivent dans la grande pauvreté et qui ont travaillé, qui font des rapports en fait pour les parlementaires et pour les gouvernements. Par rapport aux inégalités et par rapport à la lutte contre la pauvreté. Ils associent les personnes donc, qui vivent dans la grande pauvreté pour faire ces rapports. Et ils ont fait un rapport en 2019 sur justement le développement durable. Et je voudrais vous citer ce qu'ils disent, d'où l'importance d'associer justement l'ensemble de la population à ces débats et à cette co-construction des décisions. Je les cite. Ils parlent d'inégalités et d'interdépendance entre les inégalités, qui ont un caractère structurel et ont été désignés comme des injustices par les participants de cette concertation qu'il y a dans ce service. Il est rapidement apparu que lutter pour le développement durable, c'est lutter contre ces inégalités. En d'autres termes, la pauvreté constitue un mur qui se dresse face à la durabilité. Un sens de l'urgence prévaut, non seulement pour la politique climatique et environnementale, mais aussi pour la politique de lutte contre la pauvreté. Les objectifs sociaux et écologiques se rencontrent bel et bien. La construction et la rénovation, par exemple, de logements durables pour propriétaires à faible revenu ou pour locataires sociaux et privés contribuent non seulement à la réalisation du droit au logement pour tous et toutes,
mais améliorent également la santé de leurs habitants et ouvrent de nombreuses possibilités de création d'emplois de qualité, tout en réduisant aussi la consommation d'énergie. De meilleurs transports publics améliorent l'accès aux services de base et diminuent aussi les émissions de gaz. Et donc, ils disent dans ce rapport à quel point ils veulent participer à la décision, à la construction des décisions de la transition écologique. Et puis enfin, évidemment, il est fondamental de travailler sur le suivi, un suivi que nous, je vous ai expliqué au début, la complexité institutionnelle, mais donc là, ce qui est important, c'est que le suivi, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des ponts entre les institutions qui sont de niveaux différents pour qu'à partir d'une recommandation, on puisse avoir à différents niveaux ce suivi qui puisse se faire, ce qui pourrait créer plus de clarté et aussi plus de cohérence par rapport aux habitants. Et donc, je voudrais juste, par rapport à l'inclusion, revenir aussi sur le fait que nous, ce qu'on essaie de faire, vous avez vu qu'on a mis en place un certain nombre de mesures pour permettre la plus grande accessibilité possible à nos processus. On continue à travailler avec les associations qui travaillent sur avec les personnes qui sont des affiliations, avec les personnes qui vivent dans la rue, pour voir comment, pour ces personnes qui ne viendront pas, parce que venir dans ces débats sous cette forme-là pourrait constituer une violence institutionnelle supplémentaire, mais que l'on puisse créer des ponts pour que leur voix, les voix des plus invisibles, puissent quand même être prises en compte dans la co-construction de ces décisions. Et enfin, je voudrais parler de l'importance, parce que dans votre question, il y avait la transition et la participation citoyenne, mais je pense aussi à tous les niveaux. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur ça. Je pense que la participation citoyenne sous toutes ses formes, panel, budget participatif et évidemment commission délibérative que je vous présente aujourd'hui, doit pouvoir se développer à des niveaux locaux, mais aussi à un niveau européen et transnational évidemment. Et donc, c'est fondamental que ces processus, ces liens avec les citoyens, cette co-construction puisse se faire pour qu'on puisse vraiment assurer une transition environnementale. La transition environnementale, elle ne peut pas se faire qu'à partir de changements de comportement individuel. Il faut un changement sociétal en profondeur et pour cela, il faut pouvoir agir sur les niveaux de décision. Et je pense que le niveau européen est fondamental et on pourrait imaginer, j'ai écrit une carte blanche à ce niveau-là, on pourrait imaginer comme une poupée russe où les États ont des processus de participation citoyenne à leur niveau et interviennent et participent à un niveau européen où vous auriez des allers-retours entre ces lieux nationaux, je dirais, ces lieux de participation citoyenne avec les députés et les exécutifs. Donc, avec une vraie réflexion qui se ferait à ce niveau-là, mais aussi avec un envoi peut-être de certains citoyens qui pourraient représenter un petit peu les débats qu'il y a eu dans au niveau national dans ce lieu participatif et donc de pouvoir avoir cet aller-retour avec l'Europe. Je crois que l'Europe doit vraiment se profiler pour faire cette transition de manière la plus démocratique possible, même si ce que je vous explique, il y a évidemment un certain nombre de difficultés. Comment imposer à tous les États que les processus soient les plus rigoureux, les plus transparents à tous les niveaux? Comment aussi travailler avec certains pays qui sont peut-être, qui se sont éloignés ces derniers temps de la démocratie? Donc voilà, il y a des questions, mais je pense qu'on doit travailler ensemble et je pense que NOCA, c'est vraiment un lieu intéressant de réflexion et où on pourrait vraiment aller encore plus loin pour mettre une pression pour pouvoir avoir cette transition écologique qui soit vraiment avec ses racines, la racine de la justice sociale, la racine de la démocratie. Et donc, j'espère qu'on pourra poursuivre ensemble cette réflexion pour vraiment avancer dans ce sens. Thank you very much, Magali, for this very interesting and motivating talk. I hope you can hear the translation in French.
Yes. Très, très bien. Oui. Je comprends l'anglais aussi, mais voilà, je préférais m'exprimer en français pour être la plus juste et la plus claire possible. Perfect, no worries. I understand. But just to follow up on this very interesting input, I was wondering, I mean, it's great to hear that you have these deliberative commissions in Brussels and that you've been fighting for them and that you've managed to implement them and that they work. But as a politician who's pro these type of processes, do you have any suggestions or ideas for how you could spread out this interest in deliberative processes and especially climate assemblies among other politicians, parliamentarians, policymakers in general? Maybe you could say something about how you got your interest in these type of processes. Oui. Oui, mais donc, je pense qu'il y a un intérêt au niveau international de ces processus participatifs, et c'est sûr que le processus qu'on a mis en place ici à Bruxelles, avec son côté mixte, intéresse parce qu'il est différent de ce qu'on connaît d'habitude, hein, que ce soit en France ou à d'autres niveaux où on a vu qu'on a mis plutôt des panels. Et c'est vrai que nous, on pense que cette mixité est importante parce qu'elle permet une rencontre, une co-construction qui peut se créer. Parfois, bon, en tout cas, voilà, moi je vois parfois autour de moi des politiciens qui ont parfois peur aussi d'être ambitieux dans les prises de décisions en se disant oui, mais est-ce que ça va être compris par les citoyens? Et je crois que si on co-construit avec les citoyens, cette peur peut tomber réellement. Je pense aussi qu'on a vu que pour parfois les panels citoyens, quand il y a une présentation des résultats auprès des politiciens, il y a un blocage. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour tout le travail qui a été fait, pour la confiance qu'on aurait pu construire. Et donc, c'est vrai que notre pari avec les commissions délibératives, c'est de se dire, comme il y a cette co-construction, comme les députés ou l'exécutif a compris d'où venait la recommandation, comment elle a été construite, il y a un suivi qui va pouvoir se faire. Et donc, c'est vraiment ces éléments-là que nous, on essaie de porter, qu'on essaie de construire d'abord au niveau bruxellois et au niveau de la Belgique, mais qu'on essaie aussi d'exporter en quelque sorte au niveau international, parce qu'on pense que ça peut vraiment créer une dynamique nouvelle et vraiment créer, parce que comme je disais tout à l'heure sur la transition, avoir cette décision très très ambitieuse, parce que c'est ça qu'on attend aujourd'hui, parce qu'elle serait à leur portée tant par les citoyens que par les députés. Et donc par rapport à son extension, je pense que des lieux comme aujourd'hui, des lieux des réseaux, je pense qu'on doit créer un réseau large pour porter cette voie, pour co-construire aussi nous les outils qui peuvent permettre cette transition et la manière dont ça pourrait être basé sur des processus participatifs, des processus démocratiques. Donc je crois qu'on doit développer encore plus ce réseau, développer l'échange de nos pratiques, essayer de voir comment on peut à tous les niveaux convaincre aussi les lieux où on pourrait mettre ça en place, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau d'autres parlements. Moi, en tant que présidente d'un parlement, il est tout à fait, je suis disposée, pour être le plus clair possible, je suis disposée à pouvoir rencontrer d'autres parlements ou d'autres lieux de réflexion pour justement expliquer comment on fait de manière peut-être plus détaillée que ce que je n'ai fait aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment des choses très positives que l'on a pu remarquer, mais il y a aussi des difficultés. Et donc, comment faire face à ces difficultés? Et je crois qu'on doit vraiment être collectif face à cet enjeu, parce que plus on sera rigoureux, plus on sera le plus juste dans nos méthodes et dans nos objectifs, et je crois plus on pourra implémenter ces processus à tous les niveaux, et en tout cas moi je l'espère au niveau européen, pour pouvoir avoir
comment dire, des perspectives ambitieuses pour 2030 et 2050. J'espère avoir répondu à votre question. Yes, thank you very much, Magali. So I guess we'll continue in the networking and refer to you when we meet fearful politicians. But maybe you could elaborate a bit more on how you think we could counter that barrier of fearing the engagement of ordinary citizens. That's one thing. And I was also wondering whether you could say something about the lessons that you've learned from setting up these deliberative commissions. So if we have a politician or a parliament somewhere else in the world who wanted to institutionalize climate assemblies too, do you have some good advice for them? Oui, bien sûr. D'abord, travailler avec l'ensemble des groupes politiques. Nous, on a pris, donc on avait un règlement qui posait les balises, je dirais, mais après, on a fait un règlement plus, comment dire, approfondi sur la manière dont on allait procéder. Et ce travail-là, on l'a fait pendant 6 mois, à raison d'une matinée par semaine. Et on l'a fait avec l'ensemble des groupes politiques démocratique parce que nous ne travaillons pas avec le parti d'extrême droite qui n'a que chez nous qu'un seul représentant. Donc, je pense qu'il faut travailler, vraiment associer l'ensemble des partis avec qui on veut construire le processus et associer des experts, ce qui permet de justement d'expliquer peut-être les objectifs, pourquoi on va mettre en place telle ou telle règle. Et c'est vrai que toute l'évaluation qu'on a faite, parce qu'on l'a fait systématiquement après chaque commission délibérative, on l'a fait donc avec ces groupes-là aussi. Donc vraiment, c'est un travail de construction étape par étape ensemble et très rigoureux. Je reviens sur cette importance de la rigueur. Si on a un processus, parce que je le vois bien, donc même si on travaille avec tous les groupes, dans tous les groupes, il y a des gens qui sont intéressés et puis il y a des députés qui ne le sont pas ou qui n'y pensent, qui ne croient pas ou qui ne le souhaitent pas. Et donc, on voit bien que dès qu'il y a un petit problème sur le processus, dans la procédure, ils l'utilisent pour dire, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et donc, après, à nous d'expliquer. Et on voit généralement que derrière, c'est parce qu'il y avait une discussion qui les dérangeait ou qui ne voulaient pas voir aboutir avec les citoyens. Donc ça, c'est vraiment important pour justement essayer d'abord d'avoir un processus. S'il fonctionne bien, il y a de meilleures qualités, c'est-à-dire qu'on a des recommandations qui vont être de bonne qualité, et ça évite du coup d'avoir, je dirais, des députés qui pourraient utiliser ça pour remettre en question les décisions, non pas le processus, mais les décisions du coup. L'autre élément, c'est évidemment un suivi, assurer le suivi, pour que ça, enfin, vraiment sérieusement. Et donc, nous, on est vraiment sur un tableau où systématiquement, chaque recommandation est reprise. Au départ, on ne devait travailler qu'avec les parlementaires, puis on s'est rendu compte que le suivi, principalement, est porté aussi par l'exécutif, en fait, par le gouvernement. Donc, on a associé le gouvernement pour qu'il puisse venir présenter aussi ce suivi. Donc, ça, c'est pour nous un élément fondamental. Je pense qu'il faut aussi les thématiques. On a pas mal de questions sur les thématiques parce qu'on voit bien qu'en fonction de la thématique, sur les 5 qu'on a eues, je ne vous ai pas expliqué, mais donc on a eu déjà 5 commissions délibératives, une sur la norme 5G, une sur le sans-abrisme, une sur les crises et la manière dont on peut faire participer les citoyens en amont des crises, donc pour la préparation de crises, de plans de crise, en période de crise et dans l'évaluation. On a eu la biodiversité dans la ville et on a actuellement la formation en alternance. Et donc, on voit bien qu'il y a des thématiques, par exemple, la thématique sur les crises et les citoyens et comment les associer a très bien fonctionné. Il y a eu des recommandations qui ont été très, très probantes, de grande qualité, et qui aujourd'hui sont utilisées par le gouvernement, par le Parlement, mais aussi par d'autres structures qui, a priori, ne devaient pas, je dirais, faire le suivi de ces recommandations et qui s'en emparent et qui disent « c'est super intéressant,
nous, on veut les mettre aussi en œuvre. Et donc là, on voit que ça. Donc, alors, c'est là que nous, on doit sentir, tiens, là, cette thématique-là, elle a particulièrement été réussie. Je pense qu'aussi, il y avait une ouverture des parlementaires parce qu'il y avait peu de choses qui étaient dans leur programme. Qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose qui est dans le programme politique? Comment peut-être parfois arriver à dépasser cette pression aussi qu'il y a parfois des partis sur les députés. On a vu que les citoyens étaient très engagés, vraiment, ils ne lâchent pas. On a un taux de réponse très élevé par rapport à la moyenne au niveau international, mais aussi on voit qu'ils tiennent jusqu'au bout. Donc on n'a pas vraiment de, je dirais, de déperdition au fil du temps. Et donc ça, je pense que c'est aussi par rapport aux mesures liées à l'inclusion qui permet, je crois, ce maintien. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Le rôle clé des services, oui, il ne faut pas l'oublier. Sans les services, sans l'administration, on n'arrive pas. On n'arrivera pas à faire les processus, surtout rendre ces processus permanents. Et donc, c'est vrai, quand nous, on a démarré, on avait des services qui connaissaient très bien la démocratie représentative, mais qui n'avaient jamais fait de démocratie participative. Donc là, il y a vraiment un processus d'apprentissage, puisqu'on est accompagné d'experts, accompagné aussi d'un opérateur externe. Et donc là, il y a un travail qui se fait. Je pense qu'il y a un travail aussi de formation qui doit être fait. Les universités en Belgique, en tout cas du côté francophone, ont mis en place une formation sur la participation citoyenne. Donc on voit vraiment qu'il y a tout un processus qui permet que nous, on puisse alors former les membres des services. Et je pense qu'avec ça, on peut vraiment aussi améliorer le processus. Et peut-être aussi, ça, c'est un petit peu mon dada, je trouve que commercialiser le processus aujourd'hui, on n'a pas le choix, mais ça reste quand même une compétence étatique. Hein, comment on développe notre démocratie. Aujourd'hui, dans les parlements, vous n'avez pas des services dans son travail traditionnel, des services privatisés ou des services commerciaux. Et donc, je pense qu'à terme, on doit aussi, pour les processus de participation citoyenne, arriver à internaliser les processus grâce à nos services, alors qui seraient mieux formés, spécialisés en la matière. Voilà, je dirais, c'est différent. Oui, peut-être une dernière petite chose sur les médias. On essaye de travailler parce que la couverture médiatique est évidemment très importante pour faire le lien entre ce qui se passe entre les citoyens et les députés. Donc, il y a 60 personnes, mais quand même le maxi public et surtout pour la transition écologique, je pense que c'est fondamental que ça soit porté par l'ensemble de la population. Et ça, le rôle des médias est important et doit être beaucoup plus approfondi. Il doit couvrir de manière plus approfondie les thématiques. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui quand on a une décision dans le Parlement de manière traditionnelle? C'est couvert en 3 minutes par un JT. Ici, je pense que dans ces processus, il est intéressant de beaucoup plus le développer, peut-être sous d'autres formes, pour que la population puisse s'emparer de la thématique, puisse la porter aussi, la comprendre, comprendre les enjeux, voir qu'il y a des citoyens qui s'engagent et peut-être de se dire, tiens, ben, moi, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je prendrais comme décision? Qu'est-ce que je porterais? Je pense que tout ça est fondamental, tant pour la culture participative et démocratique que pour porter les décisions ambitieuses. Thank you very much, Magali. It's very interesting to hear about your experiences. And I can see that there are a lot of questions in the chat. So I'll just take up a few and then bundle them so that you can address them all, or the ones I select. So, for example, there's a question on the whole follow-up thing. So you're mentioning that it's important to you that there is a follow-up and that it's a good follow-up. But what is actually your success criteria for this type of follow-up? I mean, could you say that you have to implement what the citizens recommend, or where can you actually see that this is taken up by the politicians? And how could you say that your follow-up is legitimate or
respects the recommendation of the citizens. And then there's also a question connected to whether you see any power imbalances when you mix politicians and citizens in these processes. And then there's a last, more technical, specific question around whether you said that you had to have been a resident of Brussels for 16 years before you were able to participate. Is that correct? No. All right. So maybe you can clarify. Oui, bien sûr. Pour la question technique, ce n'est pas depuis 16 ans. Ce serait quand même une condition assez stricte et un peu pas très inclusive aussi. Mais non, en fait, on peut être résident depuis quelques semaines et être tiré au sort. Ce que je dis, c'est qu'à partir de l'âge de 16 ans, on peut être tiré au sort. Donc, il faut être résident de plus de 16 ans. Et alors, on peut être tiré au sort, même si on vient d'arriver de n'importe quel pays du monde. Et justement, on trouve que c'est ça qui est intéressant. Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde, après Dubaï. Et donc, c'est ça qui est enrichissant, c'est de pouvoir avoir aussi justement les personnes qui viennent d'arriver, qui peuvent nous apporter leur expérience ou ce qu'elles connaissent d'ailleurs. Pour nous, c'est enrichissant en fait. Donc voilà. Donc j'espère que c'est plus clair par rapport à cette question-là. Sur le manque d'équilibre du pouvoir, évidemment, c'est sûr, dans la vie de tous les jours, ceux qui prennent les décisions, c'est les députés, surtout dans notre système de démocratie représentative, la Constitution belge dit toujours que la décision doit toujours être entre les mains, la décision finale doit être entre les mains des députés, des élus. Ce qu'on a essayé de faire, du coup, par rapport à ça, c'est que d'abord, on a prévu un quart de députés, trois quarts de citoyens. Donc, vous voyez, la proportion, elle est quand même assez importante. Il y a beaucoup plus de citoyens tirés au sort qui participent au processus démocratique, à nos commissions délibératives, que de députés, ce qui permet justement de compenser le fait que les députés vont, a priori, prendre plus de place, vont avoir plus l'habitude aussi d'intervenir, etc. Sur les décisions aujourd'hui, comme je disais, notre constitution ne permet pas cet équilibre, ce même niveau, d'être au même niveau citoyen et député. Et donc, on essaie d'y travailler et de réduire cet écart par des obligations de transparence, par des obligations de motivation. Donc, à chaque niveau, là où on a vu qu'il y avait un écart qui pouvait exister entre les députés et les citoyens, on avait une obligation de motiver, une obligation d'expliquer ce qui s'était passé, pourquoi la décision. Donc, par exemple, les votes sont différents. C'était une obligation du Conseil d'État qui estimait qu'il ne pouvait pas avoir le même vote entre les députés et les citoyens. Mais là, s'il y a un vote différent des députés par rapport aux citoyens, les députés doivent motiver leur vote. Donc, on a vraiment, à toutes les étapes, essayé de créer ça pour diminuer cette inégalité entre les citoyens et les députés. Et puis alors, par rapport au suivi, c'est une vraie question. Hein, comment savoir si le suivi a été fait ou pas? Moi, un jour, j'ai participé, comme j'étais simple députée, il y avait un panel citoyen sur la mobilité. Et quand ils avaient remis vraiment, c'était hyper... progressiste, très, très radical sur les propositions. C'était assez intéressant, vraiment un bon travail qui avait été fait. Et les députés ont accueilli ça. Je vous assure que j'ai entendu autour de moi des remarques qui remettent en cause, en fait. Hein, qu'est-ce qu'ils en savent mieux que nous, et des choses comme ça. Puis il fallait faire l'évaluation. Donc ça, c'était la législature précédente, hein, que je vous explique. Et le suivi, il a fallu attendre 6 mois où on a insisté pour dire « mais vous devez faire un suivi, c'est important, etc. » Et en 1 heure, le suivi a été fait, donc au bout de plusieurs mois après insistance, et ça s'est fait sur 1 heure où le ministre a parlé de mobilité de manière générale et n'a pas vraiment répondu ou à dire comment il allait faire le suivi de ses recommandations. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un échec.
En plus, c'était pendant l'après-midi, pendant la semaine, donc il n'y a eu presque pas de citoyens qui sont venus, je crois, une ou deux personnes. Enfin, bon, bref, c'était un peu catastrophique au terme de suivi et pas par rapport à la qualité des recommandations. Et donc, moi, déjà, rien que ça, de pouvoir être respectueux du processus, être respectueux du travail qui a été fait, des recommandations, les prendre une par une sérieusement et de voir ce qu'on en fait. Et que si on estime pour finir que ce n'est pas une recommandation qu'on veut mettre en œuvre, motiver et motiver sérieusement. Pour moi, ça, c'est déjà un pas par rapport à ce qu'on peut voir régulièrement. Évidemment, l'idéal, c'est d'aller encore plus loin et c'est que les recommandations ont pu influer sur le travail, sur les décisions. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, à la suite de ces recommandations, des députés ont fait une modification de législation où un gouvernement se dit, je vais investir dans tel axe ou dans telle association pour pouvoir mettre en œuvre ces différents éléments. Et donc, voilà, on en est là. Je pense que ça a très bien marché sur, comme je vous disais, la commission délibérative sur la participation des citoyens par rapport aux crises, où on voit là qu'il y a vraiment une influence importante. Il y en a d'autres où parfois ça a été un peu moins important, où ça a peut-être juste confirmé la politique d'un ministre, mais ce ministre est venu expliquer en quoi ça confirmait, en quoi il comptait faire le suivi, qu'il y avait certaines recommandations pour lesquelles il y avait encore la réflexion à faire. Et donc, tout ce suivi, on peut le retrouver sur le site internet démocratie.brussels, où on peut suivre toutes les commissions délibératives et leur suivi. Et enfin, juste sur la formulation. Sorry, Magali. Oui, Thank mais you c'est very juste parce much. qu'on parle bien d'ici des recommandations des citoyens et des députés ensemble et pas uniquement des citoyens, c'est dans la question. Donc, le suivi, c'est bien les recommandations de la commission délibérative. Mais je m'arrête là parce que je me doute que le temps Worries. avance. Thank Voilà. you. Yeah, exactly. But thank you very much for joining us and telling us about your experiences in the deliberative commissions. And thank you very much to Sarah, who's been interpreting it all. We couldn't have done it without you. And I think Mark has some last comments before we close this session. Yes, thank you so much, everyone. Magali, it was an absolute pleasure to have you here. Thank you not only for joining us, but thank you also for pioneering this institutionalization of citizens' assemblies. It's important work, and we are very proud and happy that you were willing to spend some time with us. So, Frederick also thanked Sarah. I want to just thank Frederick for some excellent hosting, and Laurence for her video. And Sarah, we can't thank you enough. Thank you for joining us for interpretation.